Je m'appelle Jean-Luc Dieny, je suis professeur d'art et design, j'ai 57 ans, j'ai 3 enfants adultes et surtout je vais être bientôt grand-père. J'ai répondu à un concours régional Pot en herbe qui a permis de sensibiliser toute une classe de terminale à cette transition énergétique. On a fait un audit du lycée et on a proposé toutes les pistes que la région pourrait ensuite mettre en œuvre. Et on va même proposer à la région que notre lycée soit une sorte de lycée pilote, un lycée vitrine de cette transition énergétique. Essayer de développer des réseaux locaux, partir du terrain et apporter des idées nouvelles, soit à partir d'initiatives individuelles et locales, soit proposer des idées justement à la région. On serve un peu de laboratoire d'idées, quoi. Mon rôle est surtout d'être un enseignant et de sensibiliser des étudiants et des lycéens à ces problématiques vitales. Voilà. Et on aura totalement réussi quand justement les politiques arrêteront de faire de la com et commenceront à mettre en action les belles intentions qu'ils nous vendent. Quand ils seront arrivés à convaincre les gens locaux que plutôt que d'avoir une grande centrale nucléaire, on pourrait développer les énergies renouvelables et ne pas résister systématiquement à avoir une éolienne dans le champ de vision. Personnellement, je préfère une éolienne à une cheminée nucléaire. Donc voilà, il faut faire des choix. On a besoin d'énergie. On augmente nos besoins d'énergie et en face, il y a des résistances qui semblent un peu arriérées et il faut faire évoluer, quoi. Un dernier mot. Demain, c'est aujourd'hui.